La grande ours, c'était une nymphe des bois. Et la petite ours, c'était un garçon, son fils, qui s'appelait Arcas. La femme de Zeus, qui était très jalouse, s'est vengée sur Callisto. Elle l'a transformé en ours. Callisto a dû s'enfuir toute seule, femme dans un corps d'ours. Et son fils Arcas, dans la forêt, est tombé nez à nez avec une grande ours. Il ne sait pas que c'est sa mère, mais elle, la grande ours, elle reconnaît son fils. Elle l'appelle, mais elle ne peut pas parler, elle ne fait que grogner. Alors il a peur, il a tellement peur qu'à un moment donné, il saisit un poignard, se retourne et va pour transpercer la grande ours. Et le dieu des dieux, Zeus, qui était son père, envoie les deux dans le ciel.